L'invité de FC Première. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'NC Première ce matin. Avant de parler de la Calédonie, une réaction de la présidente du Front National que vous êtes au rebondissement de la nuit dans l'affaire Cahuzac. Le parquet qui ouvre une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale contre le ministre délégué au budget. Le parquet qui précise que la voix sur l'enregistrement, le fameux enregistrement révélé par Mediapart est probablement celle de Jérôme Cahuzac et le ministre qui démissionne à sa demande, précise-t-il. Réaction alors. Écoutez, depuis le départ de cette affaire, donc il y a déjà plusieurs mois, j'avais réclamé la démission de M. Cahuzac en expliquant qu'il pouvait tout être sauf ministre du budget. Pour une raison simple, c'est que l'enquête portait sur une administration dont il est ministre de tutelle. Je veux dire, il n'y a pas une démocratie au monde où on pouvait laisser le ministre en place. Et pourtant, on l'a laissé jusqu'au dernier moment. Ce qui me paraît d'ailleurs intéressant dans cette affaire, c'est ce que révèle le parquet, à savoir le témoignage de quelqu'un qui indiquerait que les fonds sur ce compte seraient des fonds versés par des laboratoires pharmaceutique. Et peut-être il y a donc une affaire dans l'affaire, des versements occultes de fonds de la part de grandes multinationales pour s'obtenir les grâces de tel ou tel responsable politique. On sait que ça existe. Si ça peut permettre d'avancer dans la moralisation de la vie politique française, ce serait plutôt positif. Alors Jérôme Cahuzac, on le précise, continue de nier. On sait bien, pas question de passer non plus contre la présomption d'innocence, hein, il n'est pas mis en examen. L'opprobre doit-elle, va-t-elle retomber sur tous les élus, Marine Le Pen ? Écoutez, ça fait beaucoup quand même, il faut bien le dire, mais ça c'est le choix de Monsieur Hollande. Il est vrai qu'on a l'impression d'une grande continuité dans la multiplication des affaires. On en a eu énormément sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il faut quand même s'en souvenir. Hein. Les affaires Woerth. Oui. Les affaires Woerth, Bettencourt, Karachi, aujourd'hui l'affaire de l'arbitrage de M. Tapie, à qui l'on a quand même accordé 300 millions d'euros de l'argent des contribuables dans des conditions que j'ai d'ailleurs dès le départ de cette affaire en 2010 trouvé éminemment suspect. J'en avais d'ailleurs saisi Philippe Séguin, président de la Cour des comptes, qui m'avait répondu qu'il ouvrait une enquête. Enfin, je veux dire, c'est vrai que on dit il faut pas dire tout ce pourri, mais on a quand même... Vous avez quand même envie de le dire. On a quand même envie de dire tous pourris, non mais presque quoi. Alors le plus mauvais moment pour le pouvoir socialiste, ce mercredi, la motion de censure menée par Jean-François Copé, vous serez sur la même ligne. Non mais écoutez, M. Copé cherche à se faire un coup de publicité avec cette motion de censure dont on sait très bien que elle n'arrivera pas au bout. Il n'en demeure pas moins que nous, comme élus Front National, députés Front National à l'Assemblée, nous allons la voter pour une raison simple. C'est que nous nous opposons fermement à ce gouvernement socialiste. Par conséquent, il n'était pas question de ne pas voter cette motion, quel que soit le parti qui en est à l'origine. Mais je crains hélas que M. Copé cherche à redorer son blason alors que ce blason est largement terni dans l'esprit des Français, puisqu'il n'arrive pas à créer un lien de confiance avec les Français. C'est ce que révèlent les multiples études d'opinion. Allez, on vous a invité, Marine Le Pen, pour parler de la Calédonie. Oui. Dans quelques heures, s'achève votre troisième séjour chez nous. Votre dernier passage, c'était il y a 5 ans. Vous l'avez trouvé changer le territoire. Oui. Plutôt pas dans le bon sens. J'ai vu s'aggraver des problématiques qui émergeaient déjà il y a 5 ans, dont j'ai trouvé qu'ils allaient de mal en pis. Je pense bien sûr à l'insécurité, qui est une préoccupation considérable, à une sorte de rejet de la part d'une partie de la population, et notamment, il faut bien le dire, d'une jeunesse désœuvrée, de toute règle, de toute loi, qu'elles soient d'ailleurs les lois de la République, ou même qu'elles soient le poids de la coutume qui n'a même pas prise, qui n'a plus prise sur eux. Je vois quand même des comportements de provocation qui m'inquiètent, type squat au milieu de la ville, on s'installe, et puis en faisant fi, je veux dire, des règles, des lois qui sont celles de la République dans laquelle nous vivons. Et puis j'ai vu une augmentation spectaculaire des prix et une inquiétude grandissante de la population calédonienne sur la manière dont ils peuvent boucler leur budget. Les prix augmentent de manière quasi ininterrompue et aujourd'hui représente une véritable gêne et une vraie inquiétude pour les familles. Le 258-258, si vous aussi vous souhaitez poser des questions à mon invité de ce jour, Marine Le Pen, la présidente du Front National. Rose est avec nous au standard d'NC Première. Bonjour Rose. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Je voudrais poser la question suivante.
quand Madame Le Pen dit souvent dans tous ses discours la France aux Français, la Kanaky c'est acquis, et puis ensuite parler des squats, parler de l'insécurité, des coutumiers qui ne font plus leur travail, mais à qui la faute? Parce qu'on avait, nous, les Kanaks, des lois. On était régis par des lois coutumières. On avait, nous aussi, nos règlements, comme la France. Les Français ont leur règlement. Donc, Rose, alors, vous dites, c'est parce que, de notre côté, nous, Mélanésiens, Vous êtes venus bousculer nos lois, notre façon de vivre. Alors, faut arrêter, quoi. Après, de dire qu'il y a de l'insécurité, mais on fait exprès pour qu'il y ait de la sécurité. Nous, on était régis par nos lois. Nous, vous, la France, elle est arrivée, puis elle a pris possession, et puis elle s'est installée. Puis après, vous vous demandez pourquoi il y a le choc de ces deux cultures. Mais surtout, c'est sur le discours, la France aux Français, donc la Kanaky à qui? Merci, au revoir. Merci, Rose. Oui, mais Rose, moi, je ne considère pas qu'il y ait la Kanaky. Je considère qu'il y a la Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie est française, que c'est d'ailleurs la volonté de la population de Nouvelle-Calédonie, que malgré le gel du corps électoral que je conteste, que je condamne fermement parce que je considère que ça crée des sous-citoyens et que c'est scandaleux, eh bien, très probablement, lors du prochain référendum qui sera organisé entre 2014 et 2018, je l'espère d'ailleurs beaucoup plus près de 2014 que de 2018. Vous souhaitez purger le référendum un petit peu de la façon dont l'avait suggéré Pierre Frogier. Écoutez, je crois qu'il faut qu'on a ça n'est pas vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai discuté avec lui, mais il n'en demeure pas moins que je pense qu'effectivement il faut organiser ce référendum le plus vite possible. Maintenant, il faut que, parce que cette incertitude dont profite un certain nombre, cette épée de Damoclès, d'abord n'est pas bonne pour les investissements, parce que quand on ne sait pas somme toute quel est l'avenir institutionnel d'un territoire, eh bien ça pousse probablement un certain nombre de personnes à ne pas faire les investissements qu'ils pourraient faire pour le développement économique de l'île. Et puis, psychologiquement, ça laisse les populations dans une situation d'incertitude. Or, je crois que ce référendum démontrera que la majorité des Calédoniens veulent rester dans la France, et il faudra à ce moment-là que tout le monde se soumette à cette décision, et peut-être elle permettra de ramener un peu chacun... Ça serait pas le contraire, justement ? Non. Ah bah, attendez, alors c'est très grave. Ça veut dire que donc ceux qui ont signé les accords refuseraient d'accepter les résultats du référendum qu'ils ont pourtant voulu organiser. Ça démontrerait qu'ils n'ont pas de parole. Non, je ne peux pas imaginer cela. Je crois que, encore une fois, le mot doit rester en dernier au peuple, je le dis toujours et en toutes circonstances, mais lorsque cette parole s'est exprimée, il faut évidemment qu'elle soit par tous respectée. Alfred est avec nous également ce matin, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi je voudrais dire à Madame Le Pen que la France, elle est à 22 000 km ici, on est en Nouvelle-Calédonie, hein. Donc la Calédonie, elle appartient aux Calédoniens. C'est aux Calédoniens de décider et non à ces expatriés qui viennent toujours nous donner des leçons de morale. Voilà, merci, au revoir. Mais alors, monsieur, dans ces cas-là, il faut aussi que ceux qui défendent l'indépendance ne votent pas aux élections nationales, parce qu'il y a quand même une injustice, quand même. C'est-à-dire que les Français qui viendraient s'installer en Nouvelle-Calédonie n'auraient pas le droit de voter aux provinciales. En revanche, ceux qui contestent en toutes circonstances la France, mais qui acceptent quand même les versements qui sont effectués par la France pour maintenir des pouvoirs régaliens qui sont quand même essentiels au bien-être de la population, eh bien il faudrait que ceux-là ne votent pas aux élections présidentielles. Il faudrait qu'ils ne votent pas aux élections législatives, car je trouve qu'il y a là une très grande incohérence. Et la droite locale, Marine Le Pen, vous les sentez bien partis, les loyalistes, en cette année préélectorale ? Bon. Écoutez, j'ai pensé en arrivant ici, et je le crois toujours, que j'ai un rôle à jouer. Car depuis 5 ans, j'ai vu la droite se diviser, se subdiviser, s'éparpiller façon puzzle, pour reprendre une expression... Une référence cinématographique connue. Aujourd'hui, on en arrive à une situation où quasiment chacun a son propre parti. Donc une personnalité, un parti politique. Ceci est très dangereux.
C'est très dangereux parce que ça peut avoir des conséquences sur les prochaines provinciales. Compte tenu du mode de scrutin, eh bien, la liste arrivée en tête peut ne pas être issue de ceux qui sont attachés à la France. Alors cette mission Bons Offices hein, que vous proposiez en arrivant en Calédonie, elle a rencontré des échos? Ah, je le crois. Je crois en tout cas qu'elle suscite incontestablement un intérêt. Je pense que beaucoup de ces dirigeants politiques sont évidemment très attachés à la Nouvelle-Calédonie, très attachés à la France, qui sont conscients de ce risque. Et moi, je leur propose une méthode, en quelque sorte, qui consisterait à faire une plateforme électorale. Une charte en 3-4 points. Oui, voilà. Non, mais une plateforme électorale où chacun puisse conserver son identité, à la limite son parti politique, qui se fonderait effectivement sur une charte en 2-3 points, dont un des points essentiels serait évidemment la réaffirmation de l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Et puis, eh bien, après tout, on verra bien qui est de bonne volonté et qui ne l'est pas. Ceux qui veulent participer à cette plateforme, eh bien, ils viendront. Ceux qui ne veulent pas pour des raisons d'ego, pour des raisons d'hostilité personnelle ou de haine personnelle, n'y viendront pas. Mais ils risquent d'être jugés assez durement par les Calédoniens. C'est mon deuxième, permettez-moi, c'est mon deuxième sentiment depuis que je suis là. Je crois que la proposition que je fais recueille un assentiment très large de la part des Calédoniens qui en ont soupé, il faut bien le dire, de ces divisions, qui n'y comprennent plus rien et qui, du coup, sont inquiets à juste titre pour les prochaines élections. Les politiques que vous avez rencontrés, ils vous ont écouté poliment ou avec enthousiasme ? Oh, écoutez, je les ai pas tous vus encore, hein. Je dois en voir encore un certain nombre et pas des moindres. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un véritable désir de sortir de cette situation. Et le fait, si vous voulez, de faire cette plateforme, ça évite d'obliger les gens à se rallier les uns aux autres en ne tenant pas compte, après tout, de l'histoire, des parcours, parce que la vie politique sur une île, c'est ça aussi. Mais je suis très optimiste sur la capacité de la droite à retrouver la raison, à retrouver le sens de l'intérêt supérieur de la Nouvelle-Calédonie et donc à réussir à mettre en œuvre cette plateforme électorale pour les prochaines élections. De toute façon, plus la droite se déchire et plus vous recrutez, non ? Non, mais c'est même pas un problème de recrutement, si vous voulez. On n'est pas là dans des histoires de boutique, à savoir si on va augmenter notre petite part, si on va réussir à grignoter à droite, à gauche, sur les uns ou sur les autres. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux dire, tout ça, ça volera en éclats si demain, la Nouvelle-Calédonie s'éloigne encore un peu plus de la France. Alors, on est à un moment charnière. On n'est pas à n'importe quel moment de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On est à un moment charnière. C'est provincial, ce congrès, c'est celui qui va décider, justement, de l'organisation de ce référendum. C'est fondamental et j'en appelle à chacun à retrouver encore une fois le sens de la raison et peut-être aux électeurs calédoniens de faire pression sur leurs dirigeants politiques pour pousser à cette plateforme commune. Allez, un dernier très court, rapide détour vers le standard avec Andy. Bonjour. Bonjour, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Je tiens à rebondir à peu près sur ce que vous disiez. Donc l'intérêt est super de la Nouvelle-Calédonie. À une époque, avant qu'on parle d'indépendance, c'est vrai que tout le monde était vers cet intérêt super de la Nouvelle-Calédonie. Il faudrait que cette question-là soit réglée pour qu'on retourne vers ce vrai discours. Et par rapport en fait à notre maintien dans la République et à cette reconnaissance des Calédoniens, c'est vrai qu'ici on a des lois qui sont différentes, on a des apports qui sont différents, et c'est compliqué pour nous. On est vraiment en marge de cette République. Comment est-ce qu'on pourrait régler ça ? Question de Andy, ce sera la dernière. Écoutez, d'abord, il faut appliquer la loi. Moi, je suis un peu étonné de voir que, dans un certain nombre de cas, la loi n'est pas appliquée. Bon. Dans quel cas ? Écoutez, le squat qui est en plein milieu de Nouméa, hein, permettez-moi, ça fait quand même depuis le 24 septembre, je crois que ça dure. Où est la loi de la République ? C'est n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment, sans que personne n'agisse pour empêcher cela. Je trouve pas ça tout à fait normal. Et évidemment, c'était une incitation à violer cette loi. C'est une incitation à rentrer en rébellion contre elle, à se permettre des libertés avec la règle commune. Bien ça, je suis désolé, mais ça ne va pas dans le sens d'un bien-être commun, du fait de vivre sereinement ensemble, ça va plutôt dans le sens du conflit. Vous parlez de bien-être commun plutôt que de destin commun.
Non, enfin, je veux dire, pas du tout. Moi, encore une fois, je ne rejette à personne le droit à la nationalité française. Je ne plaide pas pour que certains aient des droits limités par rapport à d'autres, à la différence des indépendantistes, qui eux ont plaidé pour que les Français qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie ne puissent pas voter comme sur n'importe quel territoire de la France. Bon, donc au contraire, je pense que tout le monde doit travailler ensemble. Ça a été le cas par le passé, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, mais il faut rappeler encore une fois la force de la loi. Toute la loi, rien que la loi. Marine Le Pen, présidente du Front National, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Bon retour en métropole, bien sûr, vous reprenez l'avion ce soir. Oui, mais je pars à Tahiti. Merci d'avoir choisi la rédaction de La Première pour faire l'info.